Monsieur le Président, vu que c'est dans l'air du temps que chaque profession pose sa réclamation, je me fais le porte-parole d'un métier qui se désole que les membres du corps dans cet état l'ignorent. Autrefois sur le trottoir de France et de Navarre, toute une corporation trimait avec passion le cinéma porno, fut le premier Waterloo de la révolution industrielle du fion. Ce secteur si fragile, en mauvaise posture, vit sa déconfiture, arrivée du Brésil, vu que le silicone, au bord de l'Amazone, ravit le consommateur à voiler à vapeur. Y a pas que l'industrie qui va mal dans le pays, y a pas que l'économie qui se casse la gueule pardi, pas que le pouvoir d'achat qui rétrécit ma foi, la péripatéticie se meurt aussi. Déjà surexposé à la nymphomanie, aux tarifs sacrifiés pour cause de maladie, aux apprentis salopes qui ouvrent des échoppes de commerce gratuit dans le lit des maris. Faut-il que le tapin à ce point agonise, qu'en pays levantin certains délocalisent, car tous les proxénètes vous le diront tout net, là-bas en Thaïlande, ni impôts ni amendes. Y a pas que l'industrie qui va mal dans le pays, y a pas que l'économie qui se casse la gueule pardi, pas que le pouvoir d'achat qui rétrécit ma foi, la péripatéticie se meurt aussi. S'il faut réglementer le plus vieux des métiers, qu'on installe des parcs-mètres sur le bord de nos fenêtres, si la gendarmerie veut en croquer aussi, allez sous nos plumards y planquer des radars. Vous faut-il une manif sans slip et sans soutif, des putes insoumises qu'on se syndicalise, une grève sur le pavé, le refus des devises, qu'on parte tapiner en Suisse ou à Belize. Y a pas que l'industrie qui va mal dans le pays, y a pas que l'économie qui se casse la gueule pardi, pas que le pouvoir d'achat qui rétrécit ma foi, la péripatéticie se meurt aussi. On me dit qu'un nouveau projet de loi fumant interdit illico la pipe au restaurant. Nouvel assassinat de notre artisanat qui s'affronte aujourd'hui à la technologie. Une passion nouvelle pour le plaisir virtuel devant des écrans plats déclencherait les mois. Au train où vont les choses, c'est à peine si j'ose vous dire que des musées songent à nous empailler. Y a pas que l'industrie qui va mal dans le pays, y a pas que l'économie qui se casse la gueule pardi, pas que le pouvoir d'achat qui rétrécit ma foi, la péripatéticie se meurt aussi.